La première fois que je tire sur une tige, je suis en 4e C. Pour faire comme les copains, je m'oblige à avaler la fumée. J'ai la tête qui tourne, envie de gerber, tellement c'est écœurant. Mais pour frimer, je glousse. J'adore. En m'étouffant, ça fait un bout de temps. Et maintenant, j'ai les dents jaunes comme du citron. Le souffle d'un asthmatique mourant, la voix de Gérard Darmon. Pour ne pas avoir dit non à trois bouffons, pour cacher mon mal-être. Aujourd'hui, je crache mes poumons à chaque fois que je tape un 100 mètres. Mais c'est le mois sans tabac, alors j'arrête le tabac. Je respire le grand air des pots d'échappement depuis que c'est le mois sans tabac. Ouais, j'arrête le tabac, car figure-toi que le tabac, tabac. Ça fait 10 jours déjà, et comme première impression, depuis que je ne vais plus au tabac, j'économise un paquet de pognon. Avant, quand je cuisinais, c'est fou, mais je me disais, ça passe. Mais depuis que j'ai retrouvé le goût, je peux vous dire que c'est dégueulasse. Le truc le moins chouette, c'est d'être obligé de bosser, sans l'excuse de la pause cigarette 20 fois dans la journée. Avec tous mes patchs dans le dos, c'est facile, pourquoi j'aurais la haine? Ça va, j'ai pris que 7 kilos la première semaine. Alors vivement la fin du mois sans tabac, que je reprenne le tabac. Fini le grand air des pots d'échappement, qu'on sera fini le mois sans tabac, je reprendrai le tabac. Et tant pis si le tabac m'abat. Alors les enfants, ne soyez pas débiles avant de commettre l'irréparable. Croyez pas que vous aurez le style en sortant des clopes de votre cartable. Ne gâchez pas vos premières pelles avec une haleine de cendrier. Oui, la vie est bien plus belle quand on n'a jamais commencé.